بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon week-end, bonne chance, bonne année, bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs en humanité. Qu'est-ce qui va suivre? Qu'Allah vous accorde les délices de la guidée. Je sais que vous n'avez pas encore pu l'énorme bienfait d'Allah de goûter, de savourer, de déguster, moi qui ai du mal avec le français, de déguster les délices de la guidée. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider, mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide. Mes frères et sœurs en islam, je vous aime en Allah, même si quelques-uns disent que c'est du conditionnement, c'est de la manipulation, pourquoi pas? On leur expliquera un jour, inshallah, comment faisait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vous aime en Allah, mes frères et sœurs en islam. Wallahi, je vous aime en Allah, mes frères et sœurs en islam. Mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider, mes frères et sœurs non musulmans, pour qu'un jour je puisse vous aimer en Allah. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas mieux que l'amour en Allah. Il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est beaucoup plus fort que tous les amours réunis, et c'est même un manque de respect pour cette notion de la comparer aux autres amours. Comment tu oses et tu oses montrer tes fesses? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que le barbu raconte? En plus, avec son kamis et son hada, kashkoul hada des Palestiniens. Kashkoul, kashkoul. Mashallah. Kashkoul. On dit à l'hectare, kashkoul. Comment se fait-il qu'il raconte ça, qu'il dise ça? Je vais vous expliquer. Il y a des gens, subhanallah, dans le monde. Tu peux lire le Coran en entier, tu peux lui faire un rappel à base de Coran en entier. Ça ne lui fait rien. Cause toujours, tu nous intéresses. Tu lui fais un rappel alors que le Coran fait déstabiliser, fait bouger, fait détruire les plus grosses et les plus fortes des montagnes. Tu peux lui parler de hadith, ça ne touche pas, cause toujours, tu nous intéresses. Tu peux lui parler avec le langage bisounours. Tu es trop bisounours, c'est pas pour moi ça. Tu peux lui faire la douceur, ça marche pas. La gentillesse, ça marche pas. Walou. Na'am al-rifq, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana al-rifqu fi shay'in illa zanahu. À chaque fois que la douceur est dans une chose, elle ne peut que l'embellir. À chaque fois que la douceur est absente d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir. Mais la douceur, c'est avec ceux qui comprennent ce que c'est que la douceur. Bon, moi, je vais parler à des gens qui ne comprennent aucune douceur. Je sors de la mosquée, nous sommes vendredi là. Je sors, je pars à la gare, mes yeux se posent sur une grosse fesse de paix, sur une grosse paire de fesses. Vous savez, le bédouin ne sait pas parler. La moujahida, il y a une moujahida sur Facebook là, qui n'arrête pas de m'attaquer, qui dit que je suis un sale blédard qui ne sait même pas parler, et qui ne s'exprime pas bien, et qui pas du tout, pas loin de français, et qui même ce qu'il écrit sur Facebook, tout ce qu'il écrit, les articles, tout ce qu'il écrit, les réponses qu'il écrit, c'est quelqu'un d'autre qui lui écrit ça. Subhanallah. Mais tu es belle, là, Mujahid. Tu es très belle. Mais je vois que tu n'as pas été éduqué. Tu n'as aucune éducation. Mujahida, mashallah. Mujahida. Mujahida de la frustration. Gallak Mujahida. C'est l'être là, mais c'est. Va jouer. Je suis sûr que tu n'es pas marié. Et je plains ton mari, c'est à jamais. Ça t'arrive de te marier, je ne pense pas. Si tu continues comme ça, tu finiras dans un asile psychiatrique, madame la Mujahida. Viens jouer avec Mustafa. Viens. Donc, la Mujahida dit que je ne m'exprime pas bien, donc on va essayer. Je vois une paire de fesses, mes yeux se collent sur une paire de fesses, on essaye. Comme le dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la tutbi'in nadratan nadra. Il le disait à Ali ibn Abi Talib,
ne fait pas suivre le regard par un autre regard. Essaye de baisser le regard. Si tu veux vraiment savourer halawat al-iman, si tu veux avoir halawat al-iman, essaye à chaque fois déploie-toi comme tu peux pour baisser ton regard. Et vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, il nous exhorte, il nous demande de baisser le regard, qu'on soit musulman, qu'on soit homme ou femme. Donc, mes yeux sont collés sur une paire de fesses, une grosse paire de fesses, à l'intérieur, cachée par un collant très fin. Les collants, vous les connaissez, le bédouin ne s'exprime pas bien. Le collant, les collants. Et à l'intérieur, un string. Imaginez la scène. Je sais que vous n'arrivez pas à l'imaginer, d'accord ? Vous n'arrivez pas à imaginer cette mutation, subhanallah. Vous n'arrivez pas à imaginer ce mutant, subhanallah. Je vais vous aider à l'imaginer. Fermez les yeux. Concentrez-vous. Connaissez-vous le rhinocéros? Vous le connaissez. Wahid al-Qarn, al-Khartit. Al-Khartit, Wahid al-Qarn. Hein? Avec l'animal énorme. Mettez-vous derrière lui. Imagine-toi derrière lui. Et regarde son derrière. Et imagine que on lui a mis un décollant et un string. Ça donne quoi? Vous avez vu la scène? C'est un gars, finalement, cette histoire. Mais son string et son collant, c'est un animal phénoménal, puissant, et son derrière correspond à sa puissance, mashallah. Rien à dire. Quand tu le vois, tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Imagine maintenant un éléphant, même chose. La puissance de l'éléphant, et tu te mets derrière, et tu imagines, tu lui mets un string et des collants. Ça fait quoi? Extraordinaire, n'est-ce pas? Mais c'est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça leur va bien. Ils ne mettent jamais de string ni de collants. Billah, il y a comme cette sœur-là. Elle ment. Donc elle ment. En plus, elle se met dans le même endroit que moi dans le train avec sa copine qui a le hijab. Elle hurlait. Pire que les pires des racailles hommes. Pire que les pires des pires des racailles que vous connaissez. Des banlieues chaudes, on va dire. Vous les connaissez, on va pas se mentir. C'est une fille, on va dire, allez, 15, 16, 17 ans, 18 ans, maximum. Et qui est habillée sans être habillée, malheureusement. Habillée sans être habillée, vraiment. D'une vulgarité inégalée. Et qui hurlait. Première question que je me suis posée. Est-ce que la sœur Muhtajiba, qui est sa copine, qui parle avec elle, l'a conseillée un jour? Et est-ce qu'elle s'est conseillée en voyant l'habit de l'hijab? Quand je pense, subhanallah, au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit il lam testahi fasna ma shi'ta, cette parole-là, c'est ce que la dernière trace que les anciennes générations ont gardé de la prophétie. C'est ce qui est resté de la prophétie pour les anciennes générations. Une phrase pleine de sagesse. Ça fait un milliard de sagesse, subhanallah, ça tient sur trois mots. Il lam testahi fasna ma shi'ta. Si tu n'as pas le haya, fais ce que tu veux. Rien ne t'arrêtera. C'est vrai. Quand tu n'as plus le haya, rien ne t'arrêtera. Al-haya, al-iman, al-haya, qulina jami'an. La foi et le haya, la pudeur. Mais c'est mal traduit, c'est pas la pudeur, c'est beaucoup plus que la pudeur. Al-haya, al-iman, al-haya, qulina jami'an. Idha dhahaba ahaduhuma, dhahaba al-akhar. La foi et le haya sont intimement liés. Si un part, l'autre part. Imagine, si tu n'as pas le haya, ta foi part. Et si tu n'as plus la foi, tu n'as plus de haya, subhanallah. Est-ce que cette femme-là a un haya? Pourquoi cette vulgarité? Et ce n'est pas que elle, beaucoup de nos sœurs, subhanallah. Wallahi, on voit les non-musulmans, elles ne sont pas vulgaires dans leur grande majorité, subhanallah. Les non-musulmans qu'on n'arrête pas d'attaquer, ils ont peut-être un minimum de fitra et un minimum de retenue. La fitra, c'est la condition primaire, la pureté primaire. Et nos sœurs, subhanallah, elles s'habillent d'une manière. Tu te dis, à la limite, on va tordre les argumentaires. On va pousser le bouchon à l'extrême. On va se pousser nous-mêmes à l'extrême dans tous les argumentaires et dans tous les sens. Pour dire, si elle était belle, une bombe nucléaire, belle, à la limite, elle veut montrer sa beauté. Et on lui rappelle que cette beauté va être dévorée par les vers de terre. Et on lui rappelle que plus elle va vieillir, si elle accorde trop d'importance à son corps beau, je parle de la femme belle à qui Allah a donné la beauté. Si elle accorde trop d'importance à cette beauté, plus elle va vieillir, plus elle va se détester. Plus elle va évoluer vers des chirurgies esthétiques qui vont la déformer. Et plus elle va être suicidaire, dépressive toute sa vie. Donc on va lui rappeler que le plus beau
La plus belle beauté, c'est la beauté qui respecte le haya. Quand on sait qu'il y a des femmes, subhanallah, qui ont tellement de haya, qui dans leur chambre intime, elles n'osent pas, tu ne peux pas imaginer qu'elles se mettent nues, tellement elles ont le haya. Alors que rien n'interdit à un homme de se mettre nu devant son épouse. Rien n'interdit à une femme de se mettre nue devant son époux. Rien, au contraire. C'est la seule monde qui peut voir ta aura, qui peut te voir nue, c'est ta femme. Et la seule au monde que tu peux voir sa aura, c'est ta femme. Et la seule qui peut voir ta aura, c'est ta femme, qui peut te voir nue. Mais malgré ça, subhanallah, il y a des femmes tellement, ils ont atteint tellement un niveau de haya, qui même dans l'au-delà de l'extrême, qui est dans l'au-delà du réel, qui n'est pas dans le juste milieu, parce que devant son mari, normalement, elle doit tout faire pour lui faire plaisir. Et on voit des femmes dans la rue qui se mettent, subhanallah, comment tu oses, avec ces fesses-là, comment tu oses les montrer? Avec ta manière de te comporter, ça se voit que tu es extraordinairement feignante, extraordinairement vulgaire, extraordinairement paresseuse. Tu manges des chocolats sans arrêt, tu manges tout ce qui bouge, tu manges mal malheureusement, et tu joues dans les jeux de perte de temps, tu passes ta vie dans le Facebook, voilà. Et tu oses avec ça, avec tous ces malheurs-là, tu oses montrer tes paires de fesses qui sont déformées et déformantes, malheureusement. Quand mes yeux se sont posés sur cette paire de fesses-là, malheureusement, j'ai eu une radiation. Mes yeux étaient irradiés, subhanallah. J'ai été irradié. Et mon cœur a souffert et mon corps a pleuré. Moi, quand je vois de la racaille, homme, de chez nous, vous les connaissez, on ne va pas se mentir. Wallah, je pleure à l'intérieur. À chaque fois que je suis dans le train, je suis éprouvé par les voir. Ou là, dans la gare, ou là, dans la sortie, je les vois, subhanallah, je souffre à l'intérieur. Mais quand je vois, et je les ai vus souvent, subhanallah, devant les collèges, là où des femmes de chez nous, ou des filles de chez nous, subhanallah, tu dis la ilaha illallah. Quand tu imagines que Aïcha, vous savez que Aïcha, dans sa chambre, est enterré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Abu Bakr Siddiq, le père de Aïcha, a été enterré à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la chambre de Aïcha, salli al-habib sallallahu alayhi wa sallam. Tu as dormi? Tu es concentré sur la paire de fesses ou quoi? Ou là sur le rhinocéros? Réveille-toi! Salli wa sallam al-habib sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, quand Omar ibn Khattab est mort, quand il a été assassiné, on l'enterre près de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq. Depuis ce jour-là, Aïcha a mis son hijab. Depuis ce jour, jusqu'à sa mort, elle n'avait jamais osé enlever son hijab. Elle restait avec une pudeur maximale parce qu'il y avait Omar ibn Khattab qui était mort. Quand tu parles du père de Aïcha, Abu Bakr Siddiq, quand il entrait aux toilettes, quand il partait, ils n'avaient pas les toilettes à l'époque, quand il partait pour faire ses besoins, il avait une pudeur sans fin. Vraiment, il se cachait, il avait d'une pudeur que vous ne pouvez pas imaginer, subhanallah. Alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, voit l'intérieur de ses cellules. Mais malgré ça, il avait de la pudeur. Ihna, subhanallah. Billahi alaykum. Wallahi, je rêve du jour où nos sœurs qui disent, qui prétendent qu'elles n'ont pas encore pu et qu'ils n'ont pas encore eu la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala pour porter le hijab, le vrai. Le hijab, le vrai. Le hijab du comportement. Le hijab du corps. Le hijab du cœur. Le hijab des actes. Le hijab de la bouche. Le hijab de tout finalement. De tout, subhanallah. Esma'i ma sœur, écoute. A'afu ansa bihinna l'iffatu. Fainhunna zilna anha. Sirna. La chasteté est le meilleur titre de noblesse des femmes. Le jour où elles dévient, les femmes, de la chasteté, elles deviennent plus puantes, elles puent plus, elles deviennent plus répugnantes, plus puantes que le cadavre. C'est ton plus beau titre de noblesse, ma femme. Arrête. Qu'est-ce que tu as à offrir à l'humanité? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as à offrir au monde? Qu'est-ce que tu as à offrir aux musulmans, qu'est-ce que tu as à offrir à l'humanité, qu'est-ce que tu as à offrir à la citoyenneté, à part tes grosses fesses? Au moins, cache-les. Quand on a un défaut, on le cache. Tu vas me dire, Allah m'a créé comme ça. J'ai grossi, j'ai pas fait attention. Suite à une dépression nerveuse, j'ai grossi, j'arrive plus à m'en sortir.
Et pourquoi tu parles du corps? Chacun il fait comme il est. Pas de problème. Pas de problème. Mais cache, Allah et Jazik. Sois un peu pudique. Cache, Allah et Jazik. On le dit à la plus belle des femmes, le dit cache. Allah et Jazik, sois pudique, sois chaste. Sois une femme qui veut le haya, qui vit sous le haya. Une femme qui a la foi ne peut pas être sans haya. Une femme qui a le haya ne pourra pas être sans foi, sans iman. Taqina Allah, mes sœurs. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, mes sœurs. Et arrêtez d'être des rhinocéros avec des strings et des collants. Des perversités, des mutations. Quand on vous voit, on pleure à l'intérieur. Et on dit quelle laideur. Si au moins elle avait caché ça, subhanallah, elle aurait pu être belle même avec des grosses fesses. Mais cache tes fesses, madame. C'est pas pour moi, c'est pas pour lui, c'est pas pour n'importe qui. C'est pour ton mari, même ton père n'a pas le droit de les voir. Même ton frère n'a pas le droit de les voir, même ton fils n'a pas le droit de les voir. C'est ton mari dans un moment d'intimité. Il ne lui montre pas ça toute la journée, parce qu'il pourra perdre la tête. Propagez et restez heureux et restez fiers de votre islam, restez fiers des comportements de l'excellence, restez fiers de la chasteté des musulmans et des musulmanes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.